Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Dans l'actualité de ce jeudi, après le triomphe de Vahine Fierro à la Shiseido Tahiti Pro, c'est le Brésilien Italo Ferreira qui remporte cette étape du World Tour. Mihimana Bray s'est incliné en huitième de finale ce matin. La délivrance pour une cinquantaine de Polynésiens de retour chez eux après plusieurs semaines particulièrement éprouvantes en Nouvelle-Calédonie. L'armée a effectué un deuxième rapatriement. Notre équipe était à l'aéroport ce matin. Les projets dans les secteurs de l'hôtellerie et de la pêche ralentis par l'inflation et la baisse de la défiscalisation, les investisseurs proposent des solutions alternatives. Les européennes, c'est dans moins de 10 jours en Polynésie française. Le scrutin est prévu le samedi 8 juin. Avant ce nouveau rendez-vous électoral, Polynésie la Première reçoit les différents candidats ou soutiens polynésiens. Ce soir, c'est l'eurodéputé Éric Minardi qui nous parlera du programme du Rassemblement national. Il figure en 41e position sur la liste de Jordan Bardella. Enfin, nous irons à la rencontre de l'art marquisien à Mamo jusqu'au 9 juin. Les artisans exposent des milliers de produits au 55e salon des marquises. Italo Ferreira remporte la Shiseido Tahiti Pro. Comme hier, les conditions étaient parfaites sur le spot de Havaï. Le Tahitien Mihimana Bray est parvenu quant à lui à atteindre les huitièmes de finale où il a fini par s'incliner face au Hawaïen John Florence. Retour sur le parcours de notre champion avec Heyari Tahiata et nos courageux caméramans sur place. Pour continuer la compétition, Mihimana a dû repasser par les repêchages. Il tombe face à Griffin Colapinto, rien d'autre que le numéro 1 mondial. L'Américain prend les devants, il mène avec 14 points contre 11. Mais Mihimana ne se défile pas. Dans les dernières minutes, il décroche une vague, mais le score est étonnant. Il tombe à égalité avec Griffin. Poussé par sa rage de vaincre, il enchaîne dans la foulée une dernière vague. Cette fois-ci, le score est à son avantage. Il monte à 15.10. Griffin n'a pas le temps de riposter. Mihimana se qualifie pour les huitièmes de finale. C'est un moment incroyable. Hein. L'année dernière, j'ai filé la même. Voilà, j'ai éliminé Felipe Toledo. Et là, c'est mon deuxième WCT. J'arrive à éliminer Griffin Colapinto. Yellow Jersey, donc c'est super. Je suis super content. Et ça a été une série vraiment difficile. On a tous les deux échangé des bons scores. Et voilà, ça s'est bien terminé pour moi. Ce matin, pour son retour à l'eau, il affronte le Hawaïen John Florence. Les conditions ne sont pas optimales. Mihi prend un wipe-out en plein milieu de la série, pendant que le Hawaïen fait parler son talent. Il prend une vague en backside, une performance notée 7,60 qui lui donne l'avantage au point. Mihimana tente le tout pour le tout et réussit à prendre une belle vague. Il lui fallait un 7,68 pour repasser en tête, mais les juges ne lui donnent qu'un 7,53. Mihi s'incline de seulement 0,15 petits points en huitième de finale. Non, ben merci Tahupo, hein, merci la vague. Franchement, elle a été là pour moi pour toutes les séries et voilà, elle m'a donné les plus beaux moments de ma vie. Et je pense que dans cette série, je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Peut-être sortir de ma première vague, mais honnêtement, après, tout le reste est hors de mon contrôle. Mais franchement, je veux remercier la vague et toutes les personnes qui m'ont soutenu parce que je pense que sur cette série, je devais passer. Et voilà, après, c'est un avis personnel. Le reste, je peux pas contrôler. Chez les hommes, Mihimana était le seul Tahitien dans la compétition cette année. L'année dernière, ils étaient trois et il avait atteint les demi-finales. Et je vous propose de rejoindre tout de suite Heyari Tahiata sur place avec Sandro Lee. Bonsoir Heyari. Quel bilan peut-on faire après cette compétition? Est-ce que Tahupo est prête à accueillir les JO? Bonsoir Cybèle, bonsoir à tous. Oui, Tahupo est prêt à accueillir les Jeux Olympiques cette année. Le site est opérationnel et c'est surtout le niveau des surfeurs qui est impressionnant lors de ces dernières journées de compétition. Nous l'avons vu, les surfeurs sont affûtés, preuve qu'ils se préparent pour ces Jeux Olympiques. Et en parlant de préparation, j'ai avec moi Jérémy Flores, manager de l'équipe de France. Jérémy, merci de nous avoir accepté à ce petit entretien. Alors, un petit bilan déjà de nos surfeurs français dans cette compétition. Alors déjà, le bilan est très positif parce qu'on a notre local, Vahine Fierro, qui a marqué l'histoire. Je pense que ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Elle a travaillé très dur. Je suis là en première ligne pour voir comment elle travaille dur. Les gens, je pense, ne se rendent pas compte des sacrifices qu'elle fait, tout ça. Et du coup, elle le mérite. Elle le mérite. Je pense qu'elle a eu tout le mandat avec elle. Elle y a cru. Et puis, il n'y a que le travail qui paye au final.
Du coup, c'est très positif. Forcément, c'était son rêve. Elle a vécu ce rêve. Et ensuite, du coup, tu as Joanne Defay qui a perdu un peu plus tôt, mais qui a montré une belle performance. Ka Olivas, qui lui n'était pas dans le main event, mais il était dans les trials. Mais en ce moment, il, en fait, dans les free surf, il est là tous les matins, il s'entraîne, il a déjà ses yeux sur les Jeux Olympiques et il est en forme aussi. Et Mihimana Bray, d'ailleurs, surtout qui a été un vrai guerrier toute la compétition. Il a montré des choses exceptionnelles. Il a montré que c'est un battant et je pense que ça va lui servir pour le reste de sa saison. C'est que des objectifs. Et je pense que là, c'est un grand pas et on peut être fiers d'eux parce que c'est des vrais warriors, quoi. Jérémy, il nous reste à peu près 2 mois avant l'échéance des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez changer dans la préparation, peut-être, au niveau de nos athlètes français? Oui, non. Déjà, en fait, la compétition, il faut savoir que les Jeux Olympiques, c'est sur 4 jours. 4 jours, tout peut arriver. Ça peut être petit, gros, pourri, tempête, voilà. Du coup, par exemple, une petite anecdote, mais là, depuis 3 jours... les vagues, c'était flat, il n'y avait pas de vagues. Vahiné était à l'eau tous les matins. Elle a surfé 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Pour vous dire que là, en fait, elle a une vision où, en fait, c'est pas seulement des belles vagues, mais il faut savoir surfer toutes les vagues. Du coup, sur 4 jours de compétition, ça peut être, faut être prêt à toute éventualité. Et du coup, c'est vraiment un travail qu'on fait pour que, voilà, sur 4 jours, on espère que les dieux vont nous emmener de la houle pour les Jeux Olympiques, c'est sûr. Mais bon, dans tous les cas, il faut être prêt à toute éventualité. Et je pense qu'ils sont prêts parce qu'ils sont jeunes, mais dans la tête, ça commence à rentrer et commence à avoir un sacré mental. Et de toute façon, c'est ça qui compte. Merci beaucoup Jérémy pour cette interview exclusive. Vous l'avez entendu, c'est une préparation mentale en premier et nous serons bien sûr évidemment aux premières loges pour assister à cet événement magnifique pour la Polynésie. Merci beaucoup Heyari. Le point sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Le calme reste très relatif après 2 semaines de violence. L'armée de l'air a réalisé 24 rotations en 12 jours pour transporter des renforts, mais aussi des médicaments, des véhicules et des vivres pour la population. Après la levée de l'état d'urgence, le couvre-feu de 18h à 6h reste en vigueur. Un deuxième vol a permis de rapatrier aujourd'hui une 50aine de Polynésiens. Annoncé initialement pour 4 heures ce matin, la 400M s'est finalement posée à 7h moins le quart à Faa'a. Les représentants de l'État et du pays étaient à l'aéroport pour les accueillir, tout comme notre équipe, Mélodie Ouhilamoa-Fassionné, Théophane Tévitois et Hubert Liao. Ce sera très probablement pour la plupart le dernier voyage en Calédonie avant très longtemps. De retour à la maison ce matin, 53 résidents polynésiens partis à Nouméa pour le travail, les vacances et les études. Pour tous, c'est un soulagement extrême, même s'il faudra du temps pour se remettre de ce traumatisme. Vivre dans la peur et dans l'angoisse, c'est... Je ne sais pas encore quels sont les mots à mettre dessus. J'étais en stage là-bas. Et en fait, le stage, il a viré au cauchemar. Et aussi, je pense que c'est un peu une leçon parce que, enfin, il ne faut pas trop sous-estimer la jeunesse parce que la plupart des émeutiers, c'est des jeunes. Et il ne faudrait pas qu'on sous-estime la jeunesse et que ça arrive la même chose ici à Tahiti, quoi. Pour ce deuxième vol de rapatriement, certaines personnes n'ont pas pu rejoindre l'aéroport de la Tantuta. D'autres ont dû se désister pour des raisons de santé. Les services de l'État, du pays et la compagnie Air Calin vont réactualiser leur liste pour avoir le nombre exact de personnes qui restent à rapatrier. On a aussi des personnes âgées, on a des personnes qui ont des problèmes de mobilité, des personnes qui ont des soucis de santé, donc pour lesquelles c'est compliqué. Donc ces personnes-là, on échange avec eux tous les jours et on va voir s'ils attendent la réouverture des vols commerciaux ou s'ils demandent toujours une solution. Il y a 2 options possibles. Si la situation continue d'être compliquée, ce seront toujours des vols de l'armée, donc cet avion-là. Si la situation se calme un peu, peut-être qu'on peut envisager dans les jours qui viennent un charter Air Calin qui, là, pourrait emporter beaucoup plus de monde et dans des conditions un peu moins spartiates. Quelques 200 Calédoniens sont toujours en attente de rentrer sur le Caillou. De l'autre côté, un peu plus de 70 Polynésiens attendent également. La reprise des vols commerciaux à la Tantuta a de nouveau été repoussée au matin du lundi 3 juin. C'est un événement politique qui risque d'alimenter les tensions. Paris avait déjà accusé Bakou d'ingérence en Nouvelle-Calédonie. Cette fois, l'Azerbaïdjan a accueilli des dirigeants indépendantistes de Polynésie française pour une conférence sur le droit à la décolonisation.
Retour en Polynésie où l'on parle économie avec ses projets en cours dans les secteurs du tourisme et de la pêche. Ils sont éligibles à la défiscalisation mais ralentis par l'inflation. Face à l'incertitude de la réglementation au plan fiscal et les lourdeurs administratives, les entrepreneurs proposent aujourd'hui des solutions alternatives. Caroline Fary, Mirko Vandefou. Un hôtel 4 étoiles de 53 chambres, accessible à la population sur l'île principale de Bora Bora. Le projet lancé en 2022 est en attente. Pour ce groupe de promoteurs, la baisse du taux de défiscalisation couplée à l'augmentation du coût réel du projet tombe mal. Il est malheureusement plus cher de 1,2 milliard que le projet initial, à cause de l'inflation qu'il y a eu, et en particulier des coûts des matériaux et des prestations des entreprises. Donc vous espérez qu'il y ait une révision de ces... C'est une demande qui a été faite et on a un bon espoir. Autre point d'interrogation, un projet d'hôtel très haut de gamme, à Taha cette fois, à la clé 300 emplois générés. Mais les investisseurs étrangers sont aujourd'hui méfiants et l'espoir d'une défiscalisation plus ciblée grandit. Si on veut plus d'hôtels à Bora, moins d'hôtels à Bora, moins de défiscalisation. Si on veut plus d'hôtels à Taha, plus de, ou dans d'autres îles, peut-être plus de défiscalisation. Dans le secteur de la pêche, si la baisse de 5% du taux de rétrocession n'empêche pas la concrétisation des projets, la lourdeur du montage des dossiers pose problème, comme la construction localement de 3 tonniers par ce patron qui propose une alternative à la défiscalisation. Pourquoi pas à travers justement des subventions ou des dossiers qui seraient, des subventions qui seraient directement accordées aux pêcheurs via un dossier, bien évidemment, mais qui seraient beaucoup plus simples que l'outil de la défiscalisation qui a l'air simple quand on le dit, mais qui sur le terrain est très compliqué à obtenir. Une adaptation plus souple de la défiscalisation, c'est le vœu des acteurs économiques polynésiens. Les élections européennes, c'est le 8 juin. On en parle tout de suite avec notre invité. Il figure en 41e position sur la liste de Jordan Bardella. Éric Minardi est à nouveau candidat sur la liste du Rassemblement national. Le chef d'entreprise, installé depuis 35 ans en Polynésie française, a siégé 2 ans à Strasbourg et Bruxelles. Il propose plusieurs projets, et notamment des projets tournés vers la mer. Bonsoir Éric Minardi, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez officié 2 ans en tant qu'eurodéputé. Quels ont été pour vous les moments marquants de votre mandat ? Il y en a si belle et il y en a donc à tous les auditeurs qui nous regardent, et merci à Polynésie Première pour son accueil. L'effet marquant au Parlement européen, d'abord c'est mon entrée au Parlement européen, puisque en 2019 je n'avais pas été élu et qu'en 2022, grâce à 3 députés européens qui ont donc été élus à l'Assemblée nationale, j'ai pu monter donc au Parlement. Il est vrai que je me suis occupé du budget. La commission de budget n'est pas une commission très sexy, je ne vous le cache pas. Et puis vivre à Bruxelles, vivre à Strasbourg, C'est froid. C'est froid. Et donc, l'effet marquant, c'est quoi ? J'ai eu quelques belles victoires dans mes amendements qui ont été votés parfois d'une voix. 286 voix pour moi et 285 voix contre. Mais je peux dire que ces amendements-là... C'est ce qui fait votre fierté. Oui. Est-ce que vous avez pu faire avancer des dossiers polynésiens ? Parce que vous avez siégé dans la commission donc, des budgets et commission du développement régional également. Oui. Est-ce que certains projets polynésiens ont fait l'objet d'amendements également ou de travaux ? Tout d'abord, ma première intervention... Lorsque Lana Tetonoui m'a demandé d'intervenir avec mon groupe à l'Assemblée nationale pour les salaires qui devaient être donc égaux en Polynésie et en métropole, et on parle des salaires donc des employés des communes, je suis intervenu et nous avons donc voté à la majorité. Ensuite, nous avons travaillé sur... je vous ferai donc... Vous voyez là, c'est tout ce que j'ai fait donc avec principalement l'Outre-mer, car... Je regrette qu'on ne m'ait pas donné plus de projets à amener. Et j'espère que dans les années qui viennent,
je pourrais porter les projets que je propose donc dans mon programme. L'Université de la Mer, notamment. Et il y a cette route aussi, hein, ce projet de route traversière entre Faa'a et la Presqu'île. Oui, entre Faa'a et la Presqu'île, qui est une route qui, en 2015, donc, avait été proposée par Oscar Temalou. Apparemment, donc, les terrains ne posent pas de problème. Ce sont des terrains qui appartiennent au territoire. De plus, ça permettrait à nos enfants, à nos travailleurs, de venir de Travao le matin jusqu'à Papeete, donc sans passer par la côte. Et ça permettrait donc de libérer des terrains pour l'agriculture, l'élevage, des logements. Je pense que c'est un projet qui, à long terme, pourrait être très bénéfique et qui permettrait de créer des emplois. Et comment ce type de projet peut naître à travers l'Europe ? Alors, le financement de ce type de route, par exemple, il a déjà été financé à La Réunion. Donc il y a eu deux routes qui ont été financées. Il y a eu la route du littoral et la route de Tamarin. La route de Tamarin donc, représente à peu près la même distance qu'il y a entre Faa'a et Taravao, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 30-33 km. Et elle a coûté 1,3 milliard au Parlement européen et au... je pense que la France a contribué aussi. Donc vous vous inspirez de l'exemple réunionnais. Ça semble énorme, mais pour l'Union européenne, 1 milliard d'euros, c'est rien. Pour nous, c'est 120 milliards. Pour terminer, Éric Ménardi, hier, notre invité candidat sur la liste macroniste nous disait que les résultats des élections en France ne reflétaient pas le résultat au plan européen. Cela vous arrête ? Bon, déjà, je dois dire que les autonomistes m'ont téléphoné quand j'étais à Strasbourg et puis m'ont demandé si on pouvait se rencontrer et étaient prêts donc, à me soutenir. Bon, je déplore aujourd'hui les autonomistes donc, aient choisi Macron parce que ce n'est pas une élection locale, c'est une élection nationale et on ne va pas la cacher. C'est-à-dire que là, ou vous votez pour Macron, ou vous votez pour le RN et Jordan Bardella. Et quand j'ai entendu Moerani, que je respecte et qui est un garçon charmant et qui en plus est intelligent et c'est l'avenir du pays, mais quand j'entends dire qu'au Parlement européen, nous ne représentons que 11%, je crois, je peux vous garantir que le RN, avec le groupe Identité et Démocratie, dans la prochaine, donc le prochain groupe, dans la prochaine suite aux élections, représentera un grand groupe au Parlement européen. Avec ECR, nous aurons, avec le PPE, nous serons certainement les deux plus grands groupes. Donc je dis, votons le 8 juin, qu'on soit autonomiste ou pas, pour la liste Jordan Bardella. Et franchement, aujourd'hui, je crois qu'on est à 34%, nous allons faire un très bon score. Merci beaucoup, Éric Ménardi. On vous retrouvera lors de nos face-à-face la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour rappel, 38 listes se présentent aux élections européennes en France. Parmi les listes représentées ou soutenues en Polynésie française, nous pouvons citer La France revient. Éric Ménardi est à nouveau donc sur la liste du Rassemblement national. Besoin d'Europe, Valérie Ayer est à la tête de cette liste macroniste, représentée donc par Moerani Frébeau, ici. La France insoumise, dont Younous Omarji fait partie, il était sur notre plateau mardi. Une Polynésienne a intégré la liste socialiste Réveiller l'Europe, menée par Raphaël Glucksmann. Et puis, Jackie Briand soutient Europe Écologie, avec à sa tête Marie Toussaint. Jackie Briand sera notre invitée demain soir. Et voilà qui referme notre page dédiée aux Européennes. Et nous allons maintenant prendre la direction de To'ata pour un anniversaire. Le Taupiti An'e, anciennement connu sous le nom de Heiva des écoles, est l'événement phare des écoles de Audit Haiti, de chants traditionnels, de ukulélé, de percussions. Et c'est aujourd'hui son 30e anniversaire. Pas moins de 38 écoles vont présenter leur spectacle sur la scène du Grand Théâtre, mais aussi sur la légendaire scène de To'ata. Je vous propose de retrouver Nicolas Suir et Juan Pautourou. Bonsoir Nicolas, 30 ans, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui est prévu ce soir et demain soir à To'ata? Oui, Cybèle, bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, pour fêter les 30 ans du Taupiti An'e, ancien Heiva des écoles, eh bien, un gâteau d'anniversaire avec 30 bougies. Ce sera l'ouverture de cette soirée, de ce début d'événement institutionnel, de 18h à 19h. Le gâteau d'anniversaire avec des chants, avec des danses. Et un gâteau qui sera, dont les bougies seront soufflées par Mako Foster et par Moyata, qui sont parmi les
trois premières écoles à avoir lancé cet événement. Alors, ça c'était en 1994. Aujourd'hui, en 2024, 30 ans plus tard, il y a 38 groupes qui se produisent. Alors, pas ce soir, mais à partir de ce soir et jusqu'au 9 juin, entre la scène de la place Toata et le grand théâtre de l'Optac, un grand spectacle, de belles soirées en perspective entre chant, danse traditionnelle, chant traditionnel, percussion et ukulélé. À voir absolument. Oui, à voir. Merci beaucoup, Nicolas Suire. Autre actualité culturelle en cette fin d'année scolaire, jusqu'au 9 juin, le 55e Salon des Marquises se tient à Mamor. Une centaine d'artisans exposent sur 79 stands. Ils espèrent, comme chaque année, vendre 90% de leurs œuvres. La communication n'a pas été oubliée, contrairement à la dernière exposition artisanale de Jojoutou. Les précisions de Nicolas Suire et Juan Pautolou. Inauguration du Salon des Marquises en grande pompe, avec la présence du président du pays. La publicité de l'événement a été faite au travers de 300 cartons d'invitation, des affiches en ville et de la promotion sur les réseaux sociaux. C'est très important, pourquoi ? Parce que dans les presqu'îles par exemple, eux ils ne savent pas qu'il y a le Salon des Marquises. Alors avec des fois avec ce qu'on met en Facebook, bon, il y a les gens qui disent « Ah oui, c'est vrai, il y a le Salon des Marquises qui va se faire ». Pas question de reproduire l'échec de l'exposition artisanale de Jojoutou. De toute façon, depuis 55 ans, les organisateurs connaissent la communication événementielle. Et d'ailleurs, bon nombre de visiteurs sont fidélisés. On achète toujours, hein. On achète toujours du monoï, des pierrets, des sculptures, on achète toujours. Nous sommes ici, étés ici en 2008, 2011, 2014, 2015. À chaque fois, vous allez aux Marquises ? Oui. Oui, c'est... Et à chaque fois, vous visitez le Salon des Marquises à Tahiti ? Si c'est possible, oui, oui, pourquoi pas ? La centaine d'exposants est en général très satisfaite. Des fois, il me reste quelques-uns, mais... Quelques tikis, un ou deux tikis, c'est tout. Un ou deux. Tout le reste est vendu. Oui. Le monoeil, les colliers, les courants. Vendu. Donc c'est un bon salon, il faut absolument que tu sois là, quoi. Ah oui, moi je ne manque pas de venir tous les ans. Avec 90% de ventes en moyenne, le prix des billets d'avion, de taxi, d'hébergement et autres frais sont rapidement oubliés. Si on arrive à bien vendre, ben on arrive à rentabiliser largement, oui. Même ces gros tikis à 1 million de francs pacifiques trouvent acquéreurs. Les locaux, ils achètent tout ce qui est oumété, ukulélé, ram. Mais sinon, les grands tikis, c'est les popas. À peine le salon ouvert, cette exposante nous avoue avoir réalisé 6 ventes de tikis, dont 2 des plus importants. Cette année encore risque d'être une bonne année pour le Salon des Marquises. L'information principale de cette édition, Italo Ferreira remporte la Shiseido Tahiti Pro. Comme hier, les conditions étaient parfaites sur le spot de Havaí. Après la magnifique victoire de Vahine Fierro hier, le Tahitien Mihimana Brai est parvenu à atteindre les huitièmes de finale, où il a fini par s'incliner face au Hawaïen John John Florence. Au programme de votre soirée sur la première, ne manquez pas notre page spéciale sur la Shiseido Tahiti Pro. Ce sera juste après la campagne officielle des Européennes. Vous pourrez ensuite regarder le magazine Paoaora et la série Mystère en eau trouble. Voilà, on arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Marouki Duri à la présentation de vos journaux en français. Très belle soirée sur nos antennes. À bientôt sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.